plupart des bourses européennes terminent dans le rouge ce jeudi. Nouvelle escalade des tensions hier entre Pékin et Washington. La Chine répond coup pour coup. Elle rétorque aux États-Unis en imposant des droits de douane de 25% sur 16 milliards de dollars de produits américains. La guerre commerciale s'accentue donc et les marchés sont inquiets. Justement, on regarde les marchés européens d'un peu plus près maintenant. À la clôture de Paris, le Stoxx 600 perdait 0,02% à 390 points. À Londres, le FTSE perdait 0,47% à 7 740 points. À Francfort, le DAX, lui en revanche, gagnait 0,22% à 12 661 points. Et de son côté, le CAC 40, lui, perdait 0,14% à 5 494 points. On continue avec le CAC 40. Pour ce qui est des plus fortes hausses sur l'indice, à la clôture, nous avions Sodexo, plus 1,65% à 95,10€ et Hermès, plus 1,25% à 550,80€. Pour ce qui est des plus fortes baisses, là en revanche, nous avions Sanofi qui perdait 1,01% à 73,20€ et Société Générale qui perdait 1,01% à 37,12€. Et puis on termine avec le marché d'échange. À la clôture de Paris, 1€ valait 1,1585€, tandis qu'1$ lui s'échangeait pour 110,86 yens. À la Bourse de New York, c'était Marie-Jeanne Truc pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle journée et à demain.